Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, unboxing donc de la Vegeta Figuartex 0. Donc, j'ai commandé cette figurine encore une fois à Gokluff. Donc, une personne à qui je commande énormément de figurines. Il est en train de vider ses stocks, donc j'en profite un maximum. Donc, je lui ai commandé celle-là ainsi que la Trunks que je ferai en unboxing un peu plus tard. Donc, voici la Vegeta Super Saiyan de la Figuartex. Donc, on va commencer. Hop, le déballage. Donc, pourquoi j'ai acheté cette figurine? Tout simplement parce que je l'ai vue à Micromania, je l'ai trouvée vraiment excellente. Et du coup, j'en ai profité. Donc, comme d'habitude, hein, le petit symbole de la Toei. Je me demande si c'est pas un symbole blanc, peut-être version Asia. Enfin, je sais plus, exportation Asia, je sais pas. Donc Dragon Ball licence, Bandai, comme d'habitude, la même chose. Donc derrière vous avez sur les côtés le personnage, vraiment sympathique. Là ici vous avez un, là je pense pas que vous voyez, mais là il y a un fond bleu avec sur le fond le personnage, derrière la description, les petits détails, le coloring, le modèle, le support. Allez, c'est parti. Ah ouais, le socle est vraiment pas mal. Ah, elle est sympa, elle est grande. Je la voyais en vitrine à Micromania, mais je pensais pas. Bon, du coup, est-ce qu'il y a du scotch à quelque part là? Ouais. Je m'éloigne un petit peu du micro pour l'ouvrir, pour éviter que vous ayez les bruits justement, parce que sinon je vais vous exploser les oreilles. Oh, elle claque. Elle claque. Hop. On va le ranger comme ça. On va remettre ça là-dedans. Ça. Donc voilà le monstre. Donc que dire sur cette figurine? Donc déjà le socle, moi personnellement j'accroche ce petit effet sur le socle, justement là le noir avec la petite écriture brillante, le petit contour brillant, etc. Au niveau du personnage, vraiment sympa, un effet brillant pour bien modéliser l'armure avec un petit dégradé de couleur au niveau, donc on est sur du blanc en plein milieu qui remonte sur du gris. Ensuite nous avons donc les bretelles, peut-être un petit, ouais, petite erreur de peinture, un peu blanche ici au niveau du dos alors que normalement elle est censée être noire, enfin bleue. Modélisation parfait, le perso a vraiment des jolis bras, donc bien détaillé. Les couleurs des cheveux qui est apparemment un peu transparent, les cheveux un petit peu transparent au niveau de la mèche du haut. Par contre, on part sur un orange foncé au départ à la base du front, jusqu'à un décalage de couleur, donc sur du plus clair. Donc orange au départ et plus clair jusqu'au jaune transparent en haut. Sinon, ouais, franchement, vraiment sympa. Un petit dégradé de couleur au niveau des muscles. Donc je pense pas que ce soit un effet de lumière. Non, non. Donc en gros, à chaque fois que vous avez un petit muscle ou autre à l'intérieur, c'était peint en un peu plus foncé. Donc un bleu foncé qui repart après sur des couleurs bleu clair. Franchement, la figurine est vraiment sympa. Moi, je la trouve vraiment magnifique. Bon, après, je suis fan de Vegeta, donc forcément, c'est vrai que ça va être pas mal. Non, franchement, belle figurine. Je suis vraiment content de ça. Je me rappelle plus exactement combien je lui l'ai payé, mais ses tarifs sont vraiment intéressants. Enfin, je crois que je l'ai payé moins cher qu'à Micromania. Donc, après, Micromania se font une marge forcément. Mais voilà, donc c'est vrai que donc je souhaite remercier encore une fois mon ami Gokluff qui m'envoie à chaque fois de belles figurines bien emballées. Donc là, je vais mettre encore de côté quelques figurines. Je vous prépare encore quelques unboxings.
Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais vous mettre encore une fois des photos et la vidéo du personnage. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, activer la cloche de notification pour pouvoir avoir des messages lorsque je mettrai une vidéo en ligne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.